Hey salut les amis, c'est Pouli, j'espère que vous êtes tous très très bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops Cold War en zombie les amis. Je vous l'avais promis après la découverte du pass de combat, on se retrouve pour une vidéo découverte du tout nouveau mode de jeu zombie. Alors, tout nouveau mode de jeu, c'est un peu un grand mot je dirais, c'est un nouveau mode sur la Die Machine, la map du zombie, mais avec quelques petites modifications spécialement pour Noël. Donc voilà, on va se lancer tout ça directement les amis. Donc ça s'appelle Noël Infernal, donc on va découvrir ce petit mode. Il y a eu des petits trucs en plus, voilà, des petites modifications, on va découvrir ça tranquillement en vidéo. D'ailleurs les amis, profitez-en pour jouer à Cold War, double XP d'armes actuellement. C'est incroyable, ça monte vite. Donc voilà, regardez, on a des boules de neige, on a des cadeaux et on a des bonhommes de neige. Donc, ça peut être sympa à jouer. D'ailleurs les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce Call of? Voilà, après quelques temps, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre mode de jeu préféré? Zombie, multi, campagne? Et qu'est-ce que vous en pensez généralement? Moi je vous le dis clairement les gars, mon mode de jeu préféré c'est le zombie, je joue que à ça vraiment. Je joue que à ça, le zombie il est trop bien. Die Machine, je kiffe la map. Et je joue que à ça. Vraiment, multi, j'ai essayé une game. Et multi, je vais y jouer pour faire des vidéos. Des petites vidéos, des gameplays, voilà. Mais sinon... Voilà, déjà, vous avez entendu. Noël Infernal. Donc, regardez, les gars. Déjà, on peut voir que les zombies, ils s'appellent Casse-Noisette. Ils ont des petits bonnets de Noël. On va profiter qu'on soit à la manche une, hein, pour... Voilà, donc, il y a des petits bonnets de Noël. Ça, c'était un petit ajout, les gars. Ça fait plaisir. On a des bonhommes de neige dans la map comme ceci. Un petit cadeau. Oh, un couteau, nice. Un petit couteau, ça fait plaisir. Exactement, Hunter. Mais voilà, regardez, déjà, premier ajout. Les zombies avec des petits bonnets de Noël. Et ensuite, les petits bonhommes de neige, les gars. Allez, let's go. On va se faire plaisir. Avec le couteau, niveau 6, voilà. Ah bah là, j'en porte. Hop. Boucher. Ouais, moi, je suis un boucher. Et alors, mon gars. Oh, un petit cadeau. Oh, machine de guerre, stylé. Ça, c'est sympa. Deuxième ajout, les gars. Déjà, les bonhommes de neige. Ou soit on peut avoir un zombie. Soit on peut avoir un petit cadeau. Donc, les petits bonhommes de neige, très sympa. Hop. On tue les petits casse-noisettes. Le couteau, il est trop bien, mec. Il one-shot, ça fait plaisir. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Trop stylé, mec. Sage ou passage, c'est trop bien. Attendez, on va tirer avec nos petites boules de neige là. C'est trop stylé, mec. Et vous avez vu que on a un nouveau bonus, donc c'est une chaussette de Noël. Où là, on peut carrément, soit on a été sage et on a un bon truc, comme je l'ai eu moi. Soit t'es pas sage et là, à ce moment-là, t'as un truc pourri. Ok. Donc vraiment des petits ajouts sympathiques. C'est vraiment, c'est des petits trucs bonus, mais c'est des trucs qui font plaisir, tu vois. C'est des bonus sympas qui peuvent nous avantager. Allez, on va se tuer tout ça au couteau, les gars. Et ouais, les nazis ont vraiment trouvé un moyen d'ouvrir les dimensions, mesdames et messieurs. Aussi, les gars, si vous voulez voir des bonnes vidéos pour comprendre l'histoire de la map, l'histoire vraiment... Allez voir les gars la vidéo, la chaîne YouTube Dexter Gaming. Très bonne vidéo explicative, vraiment. C'est très clair. Des très bonnes explications, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Oh, les cerfs les rennes, pardon. Les rennes pestiférées. On va aller voir ça à l'extérieur, on va mieux voir. On a des rennes, les amis. On va voir ça. Regardez les rennes. C'est des rennes. C'est même plus des chiens. Oh, c'est stylé, mec. Regardez-moi ça. Ah bah non, c'est bon en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le pompe? Ouais, quand même. Ah, oui. Décéder à créer munition. Ça se trouve, le secret, les gars, on peut pas le faire du tout en fait. Hop. J'ai entendu parler de ces munitions. Je crois que quelqu'un les a décrites comme des... Ah, ça me revient. Ça me revient. Des grosses boules de feu.
Là, les gars, je vous le dis, pendant les là, je suis rentré en période de vacances. Je vais être très très actif sur la chaîne. J'ai repris les vidéos il y a pas longtemps. Voilà, j'avais fait une petite période de transition, de pause, on va dire. Je cherchais un monteur, j'en avais pas trouvé. Et là, j'ai bien repris les vidéos, les gars, les amis. Donc, ça fait un plaisir. Let's go, let's go. Et là, par contre, il va falloir gérer. Hélico en approche. On a une fenêtre limitée, alors bougez-vous. Limité. Tu vois là. Et là, j'ai 1 minute 30 pour faire. Attends, il n'y avait que ça là. Bon, bah let's go. Exfiltration réussi. Ah non, extraction, pardon. Extraction. Non, exfiltration, voilà, j'avais raison. J'avais bien raison. J'avais bien raison, les amis. Et bah voilà, nickel. Bon, les amis, pour conclure, petit mode sympathique en termes de. En termes de c'est un peu... Ça change pas grand chose, hein, qu'on soit d'accord là-dessus. Mais c'est sympathique pour la période dans laquelle on est. Hein. C'est-à-dire les petits mégatons avec leur petit bonnet, machin. Les nouveaux, les zombies avec juste un bonnet aussi. Les boules de neige, les cadeaux. Les cadeaux et le bonus de la chaussette, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça ajoute vraiment un truc qui peut bien nous aider. Mais sinon, ouais, sinon voilà, c'est la même map, c'est le seul truc qu'il n'y a pas, c'est du coup le secret, on peut pas le faire du coup, mais voilà, c'est en gros, si vous allez là-dedans, c'est pour faire juste de la survie pure, d'accord, faut pas chercher à faire le secret, c'est, si vous voulez jouer là-dedans, c'est que du secret pur, voilà. Que de la survie pure, pardon. Bon, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le mode Noël Infernal vous a plu. Écoutez, c'était une petite vidéo sympathique à tourner, voilà, je ne rejouerai pas à ce mode, je vous le dis, moi j'aime bien avoir le secret à faire tout le temps, étant donné qu'on a l'exfiltration, tout ça, j'aime beaucoup faire le secret, faire beaucoup de manches, ensuite je fais l'exfiltration du secret, ça rapporte un bon boost d'XP. Mais bref, sinon voilà, c'était un petit mode de jeu sympathique, je pense que tu peux le faire, voilà, tu peux te faire une ou deux games là-dessus, c'est sympathique, d'accord. Et puis voilà. Sur ce, les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà cette petite vidéo sur le zombie de Noël Infernal Cold War. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications, à partager. Voilà si ça vous a plu, les amis. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Bonjour tout le monde.